Caméra. Mathieu Abrivard, vous terminez 5e avec Enino Dupomereux. Quelle est l'impression après le passage du poteau? Pas terrible. J'ai la bonne course, mais j'ai pas de gaz. Dès le premier tournant, j'ai enlevé le lasso de mon cheval, qui s'est pas dégoupillé d'ailleurs. Donc voilà. Après, j'ai la bonne course. Hein. En partant, je l'ai pas allumé. Je viens dans le sillage de Bold Eagle. Il se pose. Je me fais recouvrir toute la bosse par Bayakeno qui m'emmène jusqu'à entrée de ligne droite. Normalement, je dois bondir. Quoi. Les trois premiers sont les trois à la corde, certes, mais normalement, je dois quand même bondir sur eux. Et j'ai débouché les oreilles de bonheur, activé les œillères, entrée ligne droite. Non, pas terrible. Voilà, faut voir un petit peu après la course, peut-être faire des analyses et tout, faut voir. Mais voilà, j'avais pas de gaz. Dès en partant, j'étais battu. Il y a un souci quelque part. Bah, je sais pas, d'état de forme, de santé et tout, il a l'air à l'œil nu et au canter, à l'avant-course, il n'y a rien à signaler. Et puis en course, il se met pas dans le collier, donc il y a certainement un petit truc à remettre en place. Donc voilà, je pense pas que c'est méchant, puisque dans la souplesse, il est parfait, dans le menage, il est top. Donc je sais pas, peut-être niveau sanguin, un petit truc à remettre en place, un virus ou possible, donc à voir.